Concernant deux jeunes qui pratiquement fait actualité et côté que toute société, toute famille et tout média autour et jeunes autour a parlé de malheureusement de incidents malheureux ça qui produit côté que deux jeunes ça yo mouri calciné. Yo te quitté Kayo mardi 23 juin 2020 côté que vers 7h30 yo te quitté Kayo du matin. Yo tapal nan repetisyon nan Levi Lat e kote ke yo pa jom tounen fami yo pa jom arrive jwen timoun sa yo e nan dekouvri kadav sa yo kalsine nan tabar 41. Nap di anket lan sanse fini o nivou de la direksyon sentral de la polis judisyer. Nou ete nan faz interpelasyon. E nan pochen konferans lan en mesure pour nous capables élaborer plus et tout vini tout à monde que nous interpellons. Déjà, il y a plusieurs monde qui tendaient, à savoir famille, proches de jeunes Sayo, également l'artiste Misty Jean qui tendait et que DCPJ tendait. Nous sommes de très bonnes pistes, vraiment de très bonnes pistes. Et n'a fait lumière sur dossier ça et population a bien pour au courant très prochainement de dossier ça que nous pratiquement déployons nous pour que nous capables porter un résultat by population et société à qui victime et jeunes YouTube qui a parlé de situation ça malheureusement qui vivait deux jeunes qui ont tout avenir devant eux qui ont la vie à boulevard devant eux mais malheureusement yo perdu la vie, malheureusement. Nous t'ai parlé d'un cas côté que nous t'ai mené une opération côté que on t'ai arrêté un Jamaïcain, t'ai gagné plusieurs matériels qui t'ai saisi, t'ai gagné 11 kilos cocaïne, songe qui t'ai saisi, t'ai gagné plus de 123 kilos de marijuana qui t'ai saisi et nous t'ai fait une conférence spéciale sur ça. Côté la presse est là, tu as gagné un monde que nous avons recherché dans le cadre de César, qui c'est Jean Stanley Firmin. Côté que la police, Olivier Grandens, arrivait interpellé. Nous avons songé que l'opération a été menée le 16 avril 2020 dans Tabar, côté que BLTS a saisi ensemble de matériel que nous avons dit. Voilà. Côté pour le moment, et monsieur, déjà, il y a positionnel. Et probablement, il va le transférer au niveau parquet. Et DCPJ a félicité police Gredence qui est arrivé épingler Jean Stanley Firmin, qui lui-même est avec Jamaïcain. Pour question de viol, j'en nous dis, il y a 8 cas de viol que nous recensons, et yon sous adulte, côté que ULCS a arrêté Stanley Faustin, et pour viol, agression physique sur une jeune dame le 27 mars 2020 et tout lié au niveau de Silusa côté qui a positionnel mais pour cas de viol sur mineur gagné Augustin Guibouton 32 ans qui viole un mineur de 15 ans gagné l'aîné Wisnel 20 ans qui viole un mineur de 16 ans gagné Wilson Wilton 31 ans qui viole un mineur un bébé pratiquement qui a 5 ans gagné Gérard Estimable, 78 ans, qui violait et gosse un mineur de 16 ans. Gagné tout François Sergonia Joseph, pour arrêter pour complicité de détournement mineur, séquestration et viol suivi de grossesse. Gagné tout un viol collectif qui fait sur un mineur de 15 ans, côté qu'il a arrêté. Ronald Auguste, 38 ans. Huguenson Jean-Gilles, 39 ans. Également, Erdwin Joseph, qui a 32 ans. Ils ont toutes mis ensemble, ils ont violé un mineur de 15 ans. Le 17 juin 2020, au niveau Pèlerin, la police de CPJ a arrêté McKinley Aristil pour implication présumée dans vol de véhicule, détention illégale d'armes. Également plusieurs armes à feu. Monsieur, son ancien policier que lui. Il y a Fritz Vilboin,
et qui continue à créer le roi. Monsieur, c'est membre gang 400 Marozo. Côté que, il a arrêté monsieur pour implication présumée dans Zak assassinat, vol ZAM, qui était fait le 16 juin 2020 dans le Croix des Bouquets, dans la localité qui est Bourget. Gagné tout le 23 juin 2020. Et à Dema 19, il y a Jean-René Alexandre qui continue à créer le Tijo, arrêté pour menace et enlèvement avec ordre. Et il y a Jean-Daniel Chérubin qui arrêté tout pour détention illégale ZAM et Oudi arrêté pour vol à main armée et vol ZAM. Gagne tout au niveau cellule contre-enlèvement et qui sont entités au niveau de la DCPJ qui traitent question qui gagne pour à question enlèvement et séquestration. Côté qui a arrêté Luc Ner Bourgoin pour simulation d'enlèvement et contre-rançon, vol des véhicules, association des malfaiteurs. Gagne tout Ralto Anastil, pardon, qui continue que les Fat Boy qui a arrêté le tout dans le cadre de CESA et n'a pas cherché dans le cadre de CESA Augustin ou Lambert Josil qui continue que les Dev qui a recherché dans quatre dossiers qui vient pour ouais avec enlèvement et séquestration. Et c'est monsieur qui séquestre tête li, qui enlevé tête li pour que les capable prendre cob dans mes patrons côté que même machine dans tout que n'a joindre juste en province. Et tout gagner yon a vidéo recherche que DCPJ lancé contre un ancien policier qui est Sénisor d'Orléans. Et j'en ai dit tout à l'heure, parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, le 26 juin 2020, commissaire de Port-au-Prince, et interpellé Ronald Verdieu et Mentor Kervens Ernst Almic yo fait partie d'un gang qui les craché du fait. Malheureusement lors de l'interpellation ça c'est opération qu'il était et côté que tu gagne échange de tir tu gagne une qui était stoppé par la police et nous arrivé saisi un pistolet de calibre 9 mm et le 28 mai 2020 et au niveau commissaire Adelma, il a interpellé pour séquestration un mineur, Pierre Carlin, et Adelma 5, Jean-Patrick, qui continue à prendre les Pachuco Dossou, et arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous policier Larousse Joseph au niveau Chada Cap-Haïtien. Question. Et faire l'enlèvement, nous effectivement ces deux jeunes nous, ça c'est pour une question. Deuxième question, dossier d'Adam Jamba nous a annoncé que vous enquête DCPJ. Louis sous c'est ça, je vous dis à la dans qui point et enquête là. Et d'abord commencer par la deuxième question hein, pour nous dire qu'il est encore en cours au niveau de cellules qui occupaient deux questions qui liées à mineurs et qui c'est BPM. Et moi pas de parler avec responsable BPM pour me connaître à quel niveau lié, mais c'est certain si tu as une évolution technique au niveau et structure ça que me tape déjà au courant parce que c'est au même tout qui partage tout avec mes bilans et concernant et viol qui fait sur mineur, mais à savoir pour mineur là, bon c'est certain que il y a des indices que nous joignent que nous arrivons ouais que c'est malheureusement ces deux corps mineurs ça et j'en ai dit tout à l'heure là, nous pratiquement à 90% fini avec le dossier, nous prenons le stade d'interpellation. Disons, nous prenons l'arrêté. Et population prenons avec Mounsa qui impliqué dans la mort, dans l'assassinat et calciné de jeunes Sahou. À 90% de l'enquête, vous êtes capable de dire que ça fait mauvais criminel. Et bon, c'est certain que l'un a venu avec arrestation, on a baissé chef d'accusation. Et nous sommes capables de tout élaborer un peu plus. Mais ça qui est important, nous sur la bonne route. Et nous dit population, mettre fin de confiance. Et au moment opportun, dans la prochaine conférence, là, nous avons arrangé nous pour que nous soyons capables au courant de la dernière évolution et où est monde que nous arrêté dans le cadre de ce sacrifice. Bon, et j'en nous dis, et de toute façon, gagner assassinat, gagner meurtre, gagner homicide. C'est homicide justement qui travaille au niveau de ça. Mais je nous dis, tout ça qui a gagné en termes de formation, nous, en toute transparence, population pour connaître. Monsieur Gangame, porte-parole, il y a une alliance qui est faite à travers Gangame, et qui ont bouclé les Genève
Et nous connaissons un citoyen que là, tu es en conférence de presse qui va que tu nous mettons à vue de recherche des citoyens qui sont anciens policiers, Jimmy Cherizier. Et maintenant, nous sommes pendant la période Corona et dans le moment de confinement, nous avons l'État haïtien qui a une distribution qui a fait. Dans cette distribution, nous avons Jimmy Cherizier accompagné des policiers à bailler manger dans la zone de la Cali. Je dis à là, qui ça la police a fait en ce qui concerne avec question GNF là. Ensuite, nous voyons que et Jimmy Cherizier hier, il a l'ordre pour que en bas des débarrés, le travail commence à faire. Position de la police. Écoute-moi, et comme vous évoquez la question, côté que les policiers, et jour que vous avez fait distribution manger dans la zone, côté que les mêmes étaient présents à côté des policiers, et moi, quoi que l'inspection générale, était les mêmes élaborés sur les questions, et je crois que soit porte-parole là ou bien inspecteur général chef là, était parlé et était même auditionné et policiers dans quatre dossiers, ça. Et nous, quoi que nous avons parlé de ça. Bon, à savoir l'autre aspect de la question, hein, n'a dit au niveau de la police, nous étions dans le cadre de travail PAD. Côté que nous avons lancé un avis de recherche d'elle et nous encore déterminés pour que nous capables d'arriver épingler et conduire devant la justice. Mais pour d'autres considérations, bon, c'est certain que toute population est là et nous ne touchons pas ça tout. Et nous-mêmes, nous avons travail nous, et nous connaissons que ça est capable d'arriver, gain d'interpellation qui est capable de prendre plus de temps pour arriver, je prends qu'on l'autre. Nous comprenons ça, et nous comprenons tout à temps, tout, et nous comprenons tout question tout. Mais faites-nous confiance que nous n'avons pas arrivé justement à faire travailler nous, normalement, dans le cadre que la loi m'a dit ça. Mais nous connaissons que la police a annoncé qu'il y a une barricade, mais ça n'est pas là. Pour des raisons de sécurité. Je dis à la nous un peu des barricades. Qui est-ce qui fait pour, alors, sous qui base la police des barricades, qui explication est capable de la population sur ça? Merci. Et moi, j'ai parlé avec l'autorité de la police matin. Zone est toujours barricadée et toujours une présence blindée là-dedans. Est-ce que ça est capable d'arriver que quelques personnes dans la population sont capables d'arriver à pousser et séparateurs? Mais comme aspect vie est important pour nous, d'abord, nous préférons éviter taguer mon victime au lieu de taguer mon victime. Et moi, je ne suis pas vraiment capable de porter une clarification à la question posée parce que je n'ai pas de temps à parler avec le responsable commissariat et Port-au-Prince pour te dire exactement est-ce que il y a des côtés qui débarquent, qui pas barricadés encore. Mais avec autorité ça que me parler que me capable faire confiance zone là encore barricadée et c'est des mesures que nous prend pour d'abord pour nous protéger population et nous connaît tout dans le temps tu gagné un somme d'enlèvement qui t'est fait et c'est là que tu t'es séquestré moi. Alors son mesure qui prend et les maintenu jusqu'à ce que nous arrivions nous-mêmes et permettre que situation tourne en normale et population capable de vaquer librement l'activité, bien sûr, ensemble avec la population. Toujours sous question, Genève, dans votre parole, est-ce que nous-mêmes nous courons de l'existence pour l'armée ça, qui est côté plus d'exemples qui ensemble, et qui s'en a fait pour nous sauver? Nous au courant, il y a plusieurs gangs armés et population et qu'on est ni nous dans zone qu'on est tout et nous toujours parler de ça. Il y a des questions toutes venues de la presse de nous et nous toujours et tout dit que même que ça nous comprenne et qui considération bien fait. Mais nous même nous tenons compte justement de faire effort ensemble avec population pour que nous capables débarrasser Mounio de des bandits qui vivent bon côté de manière pour qu'ils soient capables librement vaquer dans l'occupation. Juste avant de voir la Genève, est-ce que je dis à nous capables de Genève là a comment dit? Est-ce que Genève a collaboré avec la police ou sinon c'est beaucoup de la comment? Est-ce que nous avons une réaction sur le fait que la police RDDA dit qu'il a participé dans le massacre ou pas? Comment dit? Est-ce que nous avons une réaction sur le fait que le KNH là et le National Cap Défendeur dit qu'il a participé dans le massacre ou pas? Au niveau rapport de NDDH, c'est certain que et au commandement a touché de ça. Il y a des considérations justement qui peuvent les mettre sous lit. Et pour le moment, au niveau inspection générale, il y a une enquête et le commandant chef a passé instruction pour qu'il mène une enquête et suite à opération et suite à rapport que NDDH également et organisation et
j'ai créé, je crois, ce titre pour que nous capables de même bon côté par nous, pour que nous considérions justement de rapport ça et notre travail là-dedans pour que nous enquêter. Et en toute transparence, la nous pas peur. Comment? La police pas démenti l'information? Démenti quoi? L'information comme quoi, il y a plusieurs médias, je crois que c'est simple. Et j'en nous dis, hein, et bon rapport qui sorti, qui touchait plusieurs mouns, plusieurs instances, plusieurs secteurs, notamment la police. Et commandant chef là passe instruction à l'inspection générale, parce que dès que bah, la gen, police la donne, c'est l'inspection générale qui c'est entité d'enquête administrative là, qui pourra quitter sous lit et pour faire recommandation au niveau de la direction centrale, de la direction générale de la police nationale. Et c'est ce qui est fait pour moi.